Il est derrière la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Niamey. Il m'a demandé aussi la confiance de faire porte sur moi, jeune, à l'image de Marie. Je sers mon Église. Moi, jeune, à l'image de Marie, je sers mon Église. Voilà. Avec vous, j'ai la parole. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Claire vision de ce que nous devons faire et nous donne aussi la force de l'accomplir. Esprit Saint, Amen. Esprit Saint, Amen. Esprit Saint, Amen. Esprit Saint, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Frères et sœurs en Christ, s'il est vrai que tout temps est un temps de conversion, le temps de carême l'est par excellence, puisqu'il nous prépare immédiatement à la célébration du grand mystère de Pâques, c'est-à-dire le mystère de notre rédemption en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Face à cet appel pressant du Seigneur, et pour soutenir nos efforts et élan de conversion, l'Église nous propose des exercices ou plusieurs exercices de piété. C'est donc dans cette dynamique de repentance que nous voulons vivre cette journée de récollection en nous laissant interpeller par la Sainte Vierge Marie, modèle de notre service dans l'Église. Pour ce faire, notre partage se divisera en trois grandes parties. D'abord, nous parlerons de Marie comme modèle de notre appel. Ensuite, nous verrons que Marie est aussi modèle de notre réponse. Et enfin, nous accueillerons Marie comme modèle de notre mission ou engagement dans l'Église. Grand 1. Marie, modèle de notre appel au Seigneur, au service. Excusez-moi. Dieu a associé tout au long de l'histoire des hommes et des femmes à son projet de renouveau, de réconciliation et de salut pour l'humanité. Aujourd'hui comme hier, Dieu ne cesse d'appeler des témoins de la bonne nouvelle. Annoncer la mort et résurrection de son Fils Jésus-Christ. Ainsi, pour tous et pour chacun, Dieu a un projet. Je dis bien, pour tous et pour chacun, Dieu a un projet.
Le projet de Dieu pour nous, Dieu, quand il nous appelle, il a un projet et il attend de nous quelque chose. La parole de Dieu nous donne d'entendre son appel et combien il compte sur nous pour un service. S'il y a bien des appels différents dans l'Église, notons que le premier date de notre baptême. Par ce premier sacrement, Dieu fait de nous ses enfants, les frères et sœurs de Jésus, habités par la force de l'Esprit. Dieu appelle naturellement des jeunes et des moins jeunes pour devenir prêtres, religieux ou religieuses. Mais il appelle chaque baptisé à prendre part dans la vie de l'Église et du monde actuel. Mais, je dis bien mais, est-ce que je suis conscient que le Seigneur m'appelle et à quoi il m'appelle? Chacun de nous, tous, autant que nous sommes, qui connaît-nous? Yalla daf lay wo. Wante, est-ce que nous sommes conscients que le Seigneur nous appelle et à quoi il nous appelle? Qu'est-ce qu'il attend de nous? À chacun d'y répondre. Nous voyons que notre Dieu, à travers la parole de l'ange, appelle Marie et lui rassure de sa présence, son appui et sa grâce. Marie est toute bouleversée et perturbée par la venue de l'ange Gabriel. Elle s'inquiète. Que signifie cette salutation? Mais l'ange la rassure. Sois sans crainte, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il promet ainsi à Marie qu'elle recevra la force de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint pour accomplir cette mission incomparable de devenir la mère du Fils de Dieu. À l'image de Marie, cet appel de Dieu au service retentit en nous et nous devons y répondre. Comme Marie, oui, à l'image de Marie, chacun de nous est appelé et chacun de nous doit répondre à l'appel de Dieu. Cela nous conduit au grand Dieu, Marie modèle de notre réponse au service. Que tout se passe pour moi selon ta parole, disait Marie. Luc 1, 38. Telle fut la réponse de la Vierge Marie à l'appel de son Dieu qui l'a choisi pour être la mère de son fils. Marie est angoissée. Elle a peur. Et elle est tout simplement étonnée de la situation. Mais en aucun cas, elle n'a manqué de foi ni de confiance en son Dieu. Avec ses capacités humaines, elle a voulu comprendre le comment, mais pas le pourquoi. Elle a voulu comprendre comment cela allait-il se passer, mais elle n'a pas essayé à savoir le pourquoi. Comment cela va-t-il se faire, disait Marie. Dit-elle, je ne connais point d'homme. Moussouma Khamgo. Et l'ange de lui faire comprendre que ce sera un mystère. Kumpala go khamne. Khalil moussella mi mokay motali. Du affaire nit. Te du yefu nit. J'ose dire que tay ji bu nekkone yalla ci suñu génération bi la nekk lay tané ku koy djural domam Yesu Christa génération bi nga xamantene
xalé yi jigéen yi wow nañ bëtt réy nañu bëtt ëppal nañu dinañ toog di poser question ans yi ba mu daal amna sax ñu koy ne xaaral ma tànn benn góor bu coofe wala xaaral sax ma tànn fan lay defee visite loolu sudu jikko la mais mari loolu yépp fekk ko ci elle n'a pas cherché le pourquoi wala lutax nga may tànn lutax jëlo ñëlé ah xana xamone man kessé la man damay waja am jëkkër man damay def li man damay def la mari loolu yépp fekk ko ci elle a tout simplement dit comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme kenn taaru yalla kumpa gu reey la ndax neena ko ça sera un mystère et que c'est l'esprit saint qui va faire cela du yefu nit du yefu nit évitons de chercher tout le temps le pourquoi le pourquoi le pourquoi le pourquoi le pourquoi le pourquoi jusqu'à quand pourquoi moi et pas les autres jeune chrétien catholique, revenons à l'essentiel. Quittons le monde des rêves et posons les pieds sur terre pour toucher la réalité concrète. Nañu bayyi rêve bu bari bi. Tout le temps des projets, tout le temps des projets dans la tête, alors que l'appel de Dieu est là et nous devons y répondre. Pourquoi j'insiste sur l'appel? Parce qu'on a dit, à l'image de Marie, je sers mon Église. Le service, c'est un appel. C'est Dieu qui nous appelle au service de son Église. Et pour servir, il faut entendre d'abord l'appel, y répondre avant de passer à l'acte. Sinon, si on ne suit pas ces étapes, dañuy melne ay nak yu top sen borom. Té lolou du jikko chrétien. Comme Marie, posons notre regard sur Dieu. Faisons-lui confiance en toutes circonstances. Évitons de chercher le pourquoi. Pourquoi moi et non les autres? Pourquoi je vais faire cela? Pourquoi je vais faire? Pourquoi encore? Mais cherchons le comment répondre à son appel. Comment servir Dieu et le prochain? C'est ce que nous devons chercher aujourd'hui. Comment moi, en tant que chrétien, je dois servir Dieu à travers le prochain? Comment moi, en tant que chrétien catholique jeune, je dois servir l'Église et mon prochain? C'est ça qu'il faut se poser, et non le pourquoi. L'obéissance et la fidélité sont des vertus importantes dans l'appel, la réponse et la mission. L'obéissance et la fidélité. Quand on répond, on s'engage dans la fidélité et à respecter cet engagement. Comme Marie, répondons à l'appel de Dieu avec générosité, sans attendre une récompense. Répondons à l'appel de Dieu sans attendre les récompenses. Ce que je ne sais pas, il faut commencer à faire. Évitons de donner des conditions à Dieu. Évitons. Si tu ne me donnes pas d'enfant, si tu ne me donnes pas de travail, si tu ne me donnes pas, tu ne me donnes pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu n'aime pas l'hypocrite, ni l'hypocrisie. Les profiteurs, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les moqueurs. Dieu n'aime pas les saboteurs. Dieu n'aime pas non plus les tricheurs.
surtout les vautours, sans oublier les rambats. Rambats, moi, il y a une communauté qui est très bonne. Paroisse, qui est très bonne. Chorale, qui est très bonne. Soprani, qui est très bonne. Rambats, qui est très bonne. Parce que Rambats, day xawuy sutura rambaj dafa nek ko xamantene dafa contre ciofelu yalla dafa contre ciofel suñu digënté ak suñu morom rambaj bu tassul digënté du contant Dieu n'aime pas ça comme Marie acceptons et lisons bien la lettre de mission que le Seigneur donne à chacun et chacune d'entre vous. Puis, allons en acte. Allons en acte. Annoncer la bonne nouvelle du salut dans un service d'église. Dieu a donné à chacun de nous une lettre de mission. Quand il t'appelle, c'est pour un but bien déterminé. C'est pour quelque chose. Yalla kumu wo amna lu mu soxla ci yow yalla kumu wo amna lu mu bëgg ci yow té bo ëppalé té yo mandu wo do dégg té do comprendre yalla bëgg ci yow motax jeune chrétien té yé andi len ak dal té mandu té di dégg lu baax yalla baat bobu moy suñu lettre de mission té mo ñuy wax yalla limu bëgg ak limu soxla ci ñu. Nous arrivons au troisième point qui est d'ailleurs plus important. Comment servons notre église? Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Nous retrouvons cette phrase dans le psaume 39. La volonté de Dieu, surtout en ce temps fort de Caïn, est que nous soyons sel et lumière dans notre monde. La volonté de Dieu, surtout en ce temps de Caïn, est que nous soyons sel et lumière dans notre monde. Ku nek xamna njeriñ xorom xorom ci gumu bokkol du am taxé xorom ci gumu bokkol du am bour xorom ci gemmi chrétien gumu nek do sax do mën waré né rasul yalla ce n'est pour rien ma ngi fatalé ko benn bes dañu laccion benn catéchumène ñu né ko lan mo tax boye ñu def xawma je pense que entrer à l'église xawma cet état bi dal ñuy jël xolam dañ dem sen gemmañ mu ne dañ koy def pour ñu gëna saf saf pour waré le wasulu yalla waxuma len saf ci xaan saf waré le wasulu yalla la len wax saf ci baatu yalla saf ci sa dundu chrétien saf ci nim ci mat tak ci rip ci suñu ngam ba buñu lay digi sax nga tak ci lepp ni ci mbatt lolou moy ngam lolou moy service lolou moy confiance te lolou moy dole chrétien nous devons aussi mettre le sel partout où le goût manque des fois nous rencontrons des gens qui sont tristes nous rencontrons des gens pauvres abattu, prêt à se suicider même. Mais nous leur apportons la lumière qui jaillit du cœur du Christ, ou bien la lumière qui jaillit du Christ. Nous sommes lumière partout, nous sommes sel et lumière. Il faut mettre ça ici. Un chrétien doit être sel et lumière, briller partout. Cette flamme ou cette lumière qu'on nous donne le jour de notre baptême ne doit jamais s'éteindre, ne doit jamais s'affaiblir dans notre vie de foi. Nous devons également être lumière partout.
que reflétant la lumière de Christ. Pour bien servir notre Église, il faut être sel et lumière pour pouvoir s'engager au service de manière efficace et de tout son cœur. Il ne faut pas servir pour servir. L'activisme ne sert à rien. Tout part ici. Le petit colonel, le bas comme le bas. Donc, pour y servir, même de manière active, faisons-le avec amour. Pour l'œuvre de guerre, de l'île de Gémoine, 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 de l'île de En tant que jeunes, refusons d'être des criminels du service. Refusons d'être des criminels du service. Tu fais semblant de servir alors que tu profites de la situation pour voler ou pour te faire voir. Qu'est-ce que tu as fait? Ne diw jël na xaliss courage daw diw lek na xaliss fam ko toy bi kenn du wax deg na sax lambe bi lek na xaliss jang daw te lol tax ngeen di gëna wax que président courage bu lek xaliss ci suñu biir dund bu ñi def terre il faut des criminels se faire voir man rek may ko fa fi man rek suma fi nek ko dakk ba ça c'est être criminel parce que quand tu n'es pas là tu tues l'église quand tu n'es pas là tu tues ce que les gens vont faire ça veut dire que yow bo attendé kenn mes du am bénéfice. Ça est criminel. Toi, tout un peuple, toute une communauté se ressemble du job de dame. Fortac, Bahamdan, Yongane, Dongye, Khalif, Dougal se pose. Et tu penses que tu seras heureux comme ça? Et tu penses que tu sais que tu ne sais même pas le diable? Refusons. Refusons les services d'intérêt dans l'Église. Il y a des engagements même. Il y a des gens qui s'engagent pour séduire. Des engagements de séduction. Il y a des gens, si tu les filles, moi je viens à la chorale juste pour séduire les hommes. Ça, je ne sais pas c'est quel engagement ou quel service. Il y a des gens même qui s'engagent à séduire des prêtres. Comme bien côté de quelqu'un d'autre. Vous venez, voilà, moi, je viens chaque fois pour nettoyer les chambres des prêtres, ou bien nettoyer ceci, cela, alors qu'il y a une idée derrière. Tu viens pour séduire le prêtre, parce que tu lui dis, celui-là, il est tranquille, maintenant, je vais parvenir à le faire ça. Et c'est ces mêmes personnes qui vont aller après gâter le nom des prêtres. Protégez vos prêtres. C'est les mêmes personnes qui vont faire exprès. Ah, qui est le mot? Après, c'est vous qui allez venir nous mettre en mal avec les jeunes catholiques. Parce que chaque fois, vous venez séduire les prêtres, après, les jeunes garçons vont dire, prêtres la paix, doha rek la nidef. Yéen la, du kenn kudul yéen. Moi je ne sais pas ça, c'est quel service, mais c'est pas un service d'église, service de séduction. Tout le temps,
Tu t'habilles mal pour venir devant les prêtres, tu t'habilles mal pour venir à la chorale. Vous venez à la chorale que pour perturber, pour déconcentrer les hommes. Ça vient très 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 mal. Vous venez même en retard pour que les hommes puissent vous regarder. Ça vous fait rire, mais c'est la réalité. C'est triste. C'est triste. Regardez la Vierge Marie, comment elle s'habillait. Regardez la Vierge Marie. Vous avez dit à l'image de Marie, je sers mon Église. Donc servons Marie, servons l'Église à l'image de Marie. Et non dans la séduction. Arrêtez aussi de séduire. Il y a des gens, leur profession, c'est de séduire les hommes mariés. Tout en sachant que vous les mettez tac, vous serez toujours l'âme. Ce n'est pas un engagement d'église, ni un service, ni une profession tamite. Arrêtez ce type d'engagement. Je dis bien, arrêtez ce type d'engagement. Et ce sont même les filles, voilà, je le dis tout à l'heure, qui vont gâter la réputation des prêtres. Et souvent, nous met à mal avec les autres. Des fois, tu vois une fille qui va venir dire au prêtre, moi par exemple, je veux que tu m'accompagnes. Alors que, voilà, nous, on est là par exemple pour accompagner. Mais tu viens pour l'accompagnement, tu es de l'autre monde. Il y a une mission grande. Mission pourquoi? Moi, Paul, non, j'appelle la bébé, def ko sa ginnaw. Tu viens tout ce qui est sensible dans ta vie, tu dis ça. Et le prêtre est censé écouter, laissant le pauvre, il te donne des conseils. Et toi, tu te dis, tchè, le prêtre là, nous m'en pénis. Si je parviens à la voir, il sera fidèle à moi. Hey! C'est grave. C'est grave. Quand vous venez pour l'accompagnement, restez pour l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça finit. Mais tout le temps, Abediou, 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 Abediou. Donc, comment est-ce que vous noyez? Essayons de revoir. Essayons de revoir notre manière de faire, notre manière de vivre avec les prêtres. Quand la cloche sonne, c'est Dieu qui nous appelle. Quand vous entendez ken, 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 c'est Dieu, c'est pas l'abbé d'eau qui vous appelle. C'est Dieu qui vous appelle. Quand l'Église appelle aussi, c'est Dieu qui appelle. C'est pas Abbé Diou qui vous appelle. C'est vraiment désolant et très désolant ce qui se passe actuellement dans la plupart de nos paroisses. Tous les prêtres se plaignent de l'engagement des jeunes et dans tous les sens. L'abbé Ningi Joy, dañoo jàng, dañoo tiit ci avenirou jàng bi. Ndax lan? Les jeunes refusent de s'engager pour la bonne marche de l'église. Et dans tous les sens même. Dañuy ñoo mel ne ay sati, toog di seetaan. Wala ñu mel ne ku nekk grand théâtre. C'est pourquoi j'ai dit, quand la cloche sonne, c'est Dieu qui appelle. Quand l'Église appelle, c'est Dieu qui appelle. Parce que l'Église n'est pas l'Église des hommes, c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, vous, si vous décidez de tuer l'Église de Jésus-Christ, tout ce qui est en sans vous, l'Église va marcher. Avec vous, l'Église va marcher. Le premier service d'Église, c'est en famille. Parce qu'elle est l'église domestique. Et tout commence là-bas. Tout commence dans les familles.
olof ndjay day ne lo jango do ko tay si tu n'es pas généreux dans ta maison tu ne le seras pas ailleurs si tu n'es pas généreux et serviable dans ta maison tu ne peux pas prétendre aimer le Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que tu vois chaque jour. Service, quem du ko forcer. Service, quem du ko forcer nit. Ça vient de la générosité du cœur et de la reconnaissance envers son Dieu. C'est pas forcé, c'est une reconnaissance. Dieu a fait pour moi, moi je sers l'Église pour rendre grâce à Dieu, pour dire à Dieu merci. Après l'épisode de l'Annonciation, on nous dit que Marie s'est rendue en hâte chez sa cousine Élisabeth pour deux raisons. Pour deux raisons, Marie s'est rendue en hâte chez Élisabeth. La première est le partage de sa joie d'être mère du Sauveur. Marie est allée annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Elle a reçu l'annonce de l'ange. Et elle est partie pour partager cette joie avec sa cousine Élisabeth. C'est l'annonce. C'est la première raison. La sincérité dans notre relation est importante. La sincérité dans nos relations, avec vous, avec nous, entre nous et avec Dieu, il faut être sincère. Il faut être sincère dans tous les sens. Dans tous les sens, je veux dire. Il faut être sincère et honnête. La seconde raison est que Marie part chez sa cousine pour une aide, pour l'aider, pour rendre service et soutenir aussi sa cousine. Parce qu'elle en avait besoin. Elle était enceinte. Elle avait besoin de soutien, d'assistance, de protection. Marie est partie pour ça. Annoncer et servir. À l'image de Marie, nous sommes appelés à aller annoncer la bonne nouvelle et à servir aussi l'Église. Comme Marie, allons en hâte au service de Dieu et du prochain. Quand on aide le prochain, on aide l'Église. Quand on soutient le prochain, on soutient l'Église. Parce que l'Église fait des œuvres sociales. Des œuvres sociales. Donc, quand on aide le prochain, on aide l'Église. Quand on sert le prochain, on sert l'Église. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. C'est important. C'est tellement important et c'est banal. Parce que nous, on dit que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Mais d'une côté, banalement, dañuy génné xaliss suñu poche def ni kérok bang kay wax vendredi passé. Da ngay duggal sa loxo ni génné xaliss bi au lieu de duggal ko da loxo bu dañ kumpa bi ñew def ni japp di lem ba xol limu joxé nga doora duggal. Alors que yow xam nga da ngay dem mess xam nga né da ngay joxé kette. Mais tu prépares ça de telle sorte que yow buñu nekk rek kay c'est automatique mais duñ ko def fa lañuy tok ba kette bi ñew ñuy jaay grande dame wala grand homme di ubbi pochette bo xamantene
mi français nek ci avec tout le temps que tu vas prendre les gens seront étonnés d'entendre qu'est alors que ça devait être au moins une quête silencieuse mais quand la ñi dégg ça veut dire que yow sa table bu jël yépp ay pièces nga fay duggal chers jeunes catholiques de l'église romaine, le service d'église est un amour sans intérêt qui implique une générosité, un dévouement, une charité et un engagement notoire et extraordinaire. Vous jeunes, je m'adresse encore à vous. Et je vous interpelle vivement. Arrêtez de dire de n'importe quoi sur vos prêtres. Ça aussi, c'est un service d'église. Les prêtres sont là pour vous servir. Arrêtez de dire de n'importe quoi sur vos prêtres. Ils ne sont pas là pour vous plaire. Retenez ça. Les prêtres ne sont pas là pour vous plaire ou pour faire ce que vous voulez, mais pour annoncer l'évangile et faire ce que Dieu veut. Donc vos caprices là, gardez ça dans vos chambres. Ils sont là comme des missionnaires quittant leur famille et tout, même des avenirs, pour venir se mettre au service de Dieu et de son église à l'exemple de Marie. Les prêtres, ils sont là pour servir l'église, pour servir Dieu à travers vous comme Marie. Arrêtez de dire de n'importe quoi sur vos prêtres. Je le répète, arrêtez de dire de n'importe quoi sur vos prêtres. Vous servez le diable et non l'église. C'est grave. Et quand on dit, il y a beaucoup de gens qui ne s'engagent plus dans l'église, ils disent, par exemple, moi, je ne vais plus à l'église parce que tel prêtre m'énerve. Moi, je ne vais plus à l'église parce que c'est Abedo qui appelle. Moi, je ne donne plus la quête parce que les prêtres prennent l'argent pour s'enivrer. Chaque jour, c'est une table, c'est bien garni. Toujours dans les clients. Vous n'êtes pas les clients. Vous êtes en famille. Vous avez tout avec vous. Mais nous, on n'a que ça pour vivre heureux. On n'a que ça pour être à l'aise entre nous. Donc, il faut réfléchir, remuer la langue. Mbiou, c'est bien que même avant de gagner. Quand on a dit que l'union est très bien, on doit dire ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne m'engage plus parce que les prêtres ne sont pas reconnaissants. L'autre monde, les gens l'ont dit. Man, l'ordef, en tant que chrétien, défendre man. Tu as fait ça pour l'église. Au nom de ta foi. Donc moi, je comprends mal, et très mal d'ailleurs, que quelqu'un donne quelque chose, et attends, par exemple, que le prêtre ou bien le curé se met ici à dire, Jean a donné 20 000 francs pour l'église, applaudissez pour lui. Ça, c'est quel service? Ça, c'est quel service? Voilà, par exemple, man à chaque fois may balé église may balé jang té bu ngay balé sax kenn duma gis waye tout temps mom abijo ni boné chaque fois ñia damay balé église bi chaque fois man kété waye duma dégg mukk duma ci dégg ben mess duma ci am mess hein chaque fois bu ñëwé billet rombu amé wala la né ñé lañ koy jox man duñ mako jox même le diable ne fait pas ça mes amis. Vous êtes jeune, vous êtes très jeune et plein d'énergie.
Refusez d'être des parasites. Refusez d'être des parasites. Vous êtes très jeunes. Refusez d'être des profiteurs et des profiteuses. Refusez d'être des parasites, des profiteurs et profiteuses de l'Église. Et donnez-vous à fond et avec amour au service de l'Église. Et votre premier service, je le disais, c'est de prendre soin de vos prêtres. Je vous le dis, ici et maintenant, si vous ne le saviez pas, il faut le savoir maintenant. Légui ci bamuy ter mu leer ci sen nopp yi. Les prêtres, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de salaire. Ils se débrouillent pour vivre et être heureux. Nay leer. L'abbé, liggéeyul té amul salaire. Dañuy takalé pour dundu ak pour am banex. Moi personnellement, je ne suis pas prête pour être médiocre. Je ne suis pas prête pour être malheureux. Et je n'accepterai que personne sur cette terre fasse de moi un prêtre malheureux. J'ai accepté librement, devant tout le monde, devant Dieu et devant les hommes, d'être prêtre, de me faire prêtre à son service. Donc, de mon langue mouk, nip de ma tête, lo xamantene. D'ailleurs, ma devise sacerdotale, c'est dans le service. Après avoir réfléchi, regardé, révisé ma vie, je me suis dit, il faut servir le Seigneur activement, sans paresse et de tout son cœur. Parce que la vie du prêtre n'est que service. Chaque jour, chaque instant, ce n'est que service. Bala ngay xamné service la nga nek ay situation yu metti son lol ni feug sa buntu labé dama soxla li labé dama bëgg confesser labé dama fébar nga jokk bay lepp ngir def sa service. C'est ça le prêtre, il a quitté tout. Moi par exemple, je suis Djola, je suis venu au milieu des serrés pour servir le Seigneur. Et sans paresse. La différence que j'ai avec, par exemple, les serrés ne va rien bloquer dans ma mission de prêtre. Ne va pas m'empêcher d'être heureux. Donc, c'est à vous de prendre soin de vos prêtres, de veiller sur leur bien-être. Tout ce que vous voyez de beau chez nous, souvent, il y a des gens qui disent l'abbaye, dañu am xaliss, gisoo nu ñuy solo, gisoo nu ñuy def. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas prêt pour être malheureux. Damay sancé ba baax, damay solo ba mu baax, damay topato sama bop ngir yéggu ci Christ. Ce n'est pas pour séduire qui que ce soit, mais c'est pour séduire mon Seigneur. Parce qu'il m'a voulu comme ça. Il me veut élégant dans mon être et il me veut élégant aussi dans l'annonce de l'Évangile. Mais qu'on n'est que tu me disais, mon manière, comme n'est la Bible, ton rapport. Donc, le problème est que je suis un moment de pas parce que j'ai de l'argent, ça me vient de mes parents, soit de mes parents ou des amis. Donc tout ce que vous voyez chez les frères, sur le lien de l'éleveur, je vous remercie, je vous remercie, nous dépendons toujours de nos parents. Vous voyez, mais va dire, de nous voir quel que nous sommes les parents. Vous nous dire, va dire, ce n'est pas du non-idole, ce n'est pas du non-idole. Donc c'est à vous de prendre soin de vos prêtres. Il faut le savoir. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire que les gens sont là, ils sont là.
Je disais, vous nous voyez bien habillés et élégants. Vous pensez que nous avons de l'argent. Ou c'est la quête. Il y en a même qui réfléchit comme ça. C'est la quête qu'ils utilisent pour ça. Pour djende ayere, pour djende li, pour djende la. Je donne un exemple banal. Par exemple, quand tu finis, si tu calcules des fois le dimanche, ça ne fait même pas 20 000 francs. Ce que je porte là, une soutane, ça te coûte 25 000 francs. 25 000 francs. La quête ne fait même pas 20 000 francs le dimanche. Si imaginez et réfléchissez, si on doit prendre ces 20 000 là pour acheter de la bière comme vous le pensez, acheter de la viande comme vous le pensez, jeune de auto comme vous le pensez, acheter des habits, surtout sous table. Fan lañ koy jëlé. D'ailleurs, vous donnez difficilement la quête. Très difficile même. Ah, man de 500 te tay comme dafa am xawa rek damay koy jënd ci bière. Wala sinon comme fuma démé duma am lumay lek. Je préfère ne pas donner la quête. Voilà, il y a un dilemme qui se passe dans ta tête. Tu as 1000 francs et c'est ça. Tu veux même, il y en a même qui font la monnaie dans la quête, dans les paniers de quête. Am doxma 500 la rajo, doxma 450. Il ne faut pas penser que les prêtres n'ont pas de soucis. Nous avons des soucis. Nous avons des problèmes personnels, des problèmes de famille. Il y a des prêtres même qui ont des soutiens de famille. Mais, n'empêche, on est heureux. Et on est content de servir l'Église à travers vous. Arrêtons. Arrêtons. Je vous supplie, arrêtons d'attendre tous des prêtres. Mais en tant que fidèles du Christ, prenons soin de nos prêtres. Enfin, en ce début de carrière, demandons au Seigneur de nous donner l'amour et le courage de servir comme Marie notre Église et que l'Esprit Saint nous montre la claire vision de ce que nous devons faire et nous donne la force de l'accomplir. Je vous remercie de votre aimable attention.